Ferry Ferragudi, ce soir, Standard joue contre Glasgow. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Mais je pense qu'on a commencé très timide. Après, on a commencé à jouer balle à terre et je pense que sincèrement, on a montré toutes nos qualités. On a marqué, c'était bien. Malheureusement, on s'est fait prendre à la marque. Mais je pense que c'est dommage parce qu'on a la place pour mettre le goal de la victoire. Voilà, je pense que les filles sont données à fond. Les gens ont répondu présent et c'était là. Je crois qu'on avait presque 2500 personnes, donc c'est bien. Le match était équilibré, le score final c'est aussi 2-2, donc match nul. Les chances restent ouvertes. Moi je pense que les chances sont ouvertes. Malheureusement, on sait que les blessés chez nous, ils ne rentreront sûrement pas à Glasgow. Donc voilà, on sera la même équipe, motivée comme tout. Il paraît qu'on joue mieux à l'extérieur qu'à la maison, donc pourquoi pas. Mais il faut gagner normalement, sauf si vous faites 2-2 et prolongation, penalty. Ben on espère de gagner, c'est clair. Je pense qu'on travaille pour le championnat et aussi pour la Champions League. Mais voilà, c'est un coup de chance aussi. Hein. On va là, on aura des matchs avant du championnat qui sont très fatigants, parce qu'il ne faut pas oublier que samedi, on a ado. Et voilà. Donc, c'est bien, je pense que c'est de l'expérience en plus. J'espère qu'on n'arrivera pas fatigué. Est-ce qu'un prochain tour éventuel contre Arsenal qui a gagné fort aujourd'hui, ça motive beaucoup les joueuses? Mais je pense qu'il faut prendre match par match. On a déjà des ados samedi et puis alors on pensera après pour Glasgow. Mais c'est clair que tout le monde il espère, tout le monde. J'ai vu aussi que la direction était derrière nous à 100% et ça c'est très important et les filles ressentent ça aussi. Okay. Bonne chance et merci. Merci beaucoup. Ouais.